Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer mes deux petits nouveaux qui viennent d'arriver. Voilà, je voulais vous en faire aujourd'hui la vidéo et vous allez me dire dans les commentaires si ceci vous rappelle pas un sketch d'un grand acteur qui nous a quittés. 1, 2, et voilà. Les nouvelles lessives Omo, les deux paquets que j'ai reçus. Voilà. Les deux grosses trouvailles que j'ai réussi à faire, que j'ai réussi à avoir un très très grand prix pour ça. J'ai vraiment 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 quasiment rien payé dessus. C'est voilà quoi. Comme on peut voir, les paquets ils sont encore en très bon état malgré leur grand âge, et comme on peut voir, ils sont encore pleins. Ils sont encore tout pleins. Ils sont tout pleins, Seigneur, ils sont tout pleins, ils sont tout neufs. Et regardez la machine qu'il y a dessus, le modèle que c'est. Voilà, deux beaux petits trucs, et du coup il y en a un qui va servir. Et oui, il y en a un que je vais me servir. Bien évidemment, pas le paquet au complet, hein, mais au moins un bon quart. Hein, faire vraiment un test lessiviel sur ces paquets-là, savoir s'ils sont encore valables ou pas. Sans compter qu'il n'y a pas de date de péremption. Voilà, on a le cul qui est ici, le cul encore en très bon état. Hein. Ma seigneur, regardez ça. 800 grammes, mon copain, 800 grammes. Savonnerie Lavé Paris. Ma seigneur, ils sont tout beaux. Ils sont tout beaux, ils sont tout propres. Du coup, je prendrai et j'ouvrirai celui qui est le plus dégueulasse. Hein. Le plus dégueulasse, c'est celui-là parce qu'il est passé sur la façade. Hein. Mais du coup, hop, celui-là. Et la poudre, elle est encore nickel. Hein. La poudre, elle est encore nickel de chez nickel. Hein. Voilà sur ma petite collection. Celui-là, je vais le mettre bien à côté aussi. Voilà, les deux paquets Omo. Et regardez bien. Dites-moi si ça vous fait pas rappeler un sketch, ce paquet de lessive-là. Moi, je le sais. Hein, c'est un grand acteur qui a même fait une association pour les personnes qui n'ont pas du tout à manger. Hein. Je pense qu'il y en a, dites-moi dans les commentaires si vous vous rappelez de ce paquet de lessive-là avec cet acteur qui nous a quittés, qui avait un cœur immense, qui avait même fait la politique et tout ça, dont son franc-parler a été très mal vu, très médiatisé à l'époque. Mais franchement, quand vous regardez ce paquet de lessive-là, c'est impossible que les personnes ne peuvent pas se souvenir ce paquet de lessive-là, la publicité et le sketch qu'il y avait derrière. Voilà. Et pour petite info, celui qui arrive à me trouver, eh bien, il y aura quelque chose en supplément. Je ne vous dirai rien. Mais du coup, ben, voilà, c'était une petite trouvaille que je voulais vous faire absolument découvrir. Voilà. Des petits paquets tout neuf, en assez bon état, hein, à part celui-ci, tu vois, il y a eu un peu d'eau de coulée, mais bon, du coup, celui-ci, tu vois, je vais l'ouvrir, je vais le trépanon à fond, tu vois. Bon, je déconne, je vais l'ouvrir, tu vois, très précieusement. Et du coup, voilà, formule enrichie. Enrichie en quoi? On n'en sait rien. Non, c'est sûr, c'est pas en saleté. Homo, et là, la saleté s'en va. Les répliques d'autrefois qu'on n'en a plus maintenant. Voilà. Voici ce que je voulais vous faire découvrir avec mes petites bubules. Mes petites bubules. Alors du coup, voilà. Alors du coup, gros big up à tous mes abonnés. Continuez à vous abonner. Continuez à liker cette vidéo. Et moi, j'attends votre réponse. Savoir si vous reconnaissez ce packaging de lessive avec le sketch qui est derrière. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et vous inquiétez pas, il y aura une prochaine vidéo. Celui qui arrive à trouver, et ben je le mettrai dans mes vidéos en lui disant voilà que cette personne-là a bel et bien trouvé. Alors du coup, passez une très bonne fin de journée en ce temps pluvieux. Et voilà, restez au chaud. Allez, gros big up tout le monde.